Salut à tous, ici Morgane sur Le Temps d'une Vape. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier e-liquide qui est sorti de la gamme Redneck de chez S-Vape. Donc, si vous avez pu le tester ou même le goûter, là, c'est le tout dernier. Vous savez tous que la gamme Redneck est une gamme qui est branchée gourmand. Donc, vous avez dû sûrement trouver dans les PAV le Harriet, le BO ainsi que le Billy Bob. Et vous avez aussi la version Die, qui est le Horace, le Peggy Sue, ainsi le Forest. Là, on repart sur un e-liquide qui est de la gamme Redneck, qui est le Nelly. Donc, je vais vous expliquer son format, son ratio de PGVG, je vais vous expliquer son descriptif. Et selon moi, donc qui reste mon avis personnel, ce que moi je ressens sur le liquide, voir s'il est avant tout fidèle à sa description et sur quel matos aussi je l'ai testé. Donc, vous le trouverez sur le site S-Vape au format de 50 ml. Donc, vous avez 10 ml de libre pour insérer votre booster si vous le préférez nicotiné ou non. Donc moi personnellement je l'ai testé en zéro et je l'ai nicotiné parce que moi je vape en 3 mg et je l'ai laissé stepper 15 jours environ. Il est en ratio de 20-80, donc 20 PG, 80 VG. Et maintenant je vais vous dire son descriptif et vous donner avant tout mon ressenti. Donc, la baroudeuse prépare tous les mercredis une fourrée de biscuits pour ses enfants, un biscuit doux et sablé à la fois avec une touche de fraise. Alors, je vais le tester donc sur ma petite bully qui est un mode de mécanique avec comme dripper le Adali, donc en 22 mm. En montage, j'ai mis le Extra Small V2 de chez JTR. Et testons. Donc je le mets directement sur le coton parce que malheureusement je n'ai pas pu remplir ma petite bottle encore. Alors, première impression, donc sur la première barre que je viens de prendre, il n'y a pas de souci, on sent bien le biscuit, on sent bien la fraise. Il n'y a pas à l'inspiration comme à l'inspiration, en fait le mélange il vient tout de suite. C'est vraiment un bon mélange. Alors, pour vous donner un peu mon ressenti personnel, pour vous donner un peu une idée de ce que moi je ressens le plus, c'est pour vous donner une comparaison, c'est le si vous avez pu goûter les biscuits d'autrefois, les biscuits à l'ancienne, vous savez, les tartelettes à la fraise, bonne maman. Moi, je ressens vraiment bien le sablé. Je ressens vraiment bien le sablé et tout de suite vient en fait en même temps la fraise. Donc la fraise, pour vous donner un peu une comparaison, c'est un peu un coulis, voire même une confiture de fraise qui est vraiment, mais alors vraiment pas écœurante et vraiment pas chimique. Moi, pour ma part, là, je suis en train de le vaper. J'ai vraiment l'impression de manger un biscuit à l'ancienne, une petite tartelette de la bonne maman. Ouais, franchement, il est vachement bon. Enfin, pour ma part, hein, après, c'est l'avis de tout le monde, évidemment. Et en plus, ce qui est plus impressionnant, c'est que à la fin de la vape, il vous reste ce petit côté sucré de la fraise, je dirais même. Vous avez en fait ce qui vous reste au palais, c'est vraiment le petit côté sucré. Qui donne vraiment ce petit côté, mais vraiment super agréable, quoi.
Il est vraiment, mais vraiment pas écœurant, vraiment pas chimique. Pour ma part, il est vraiment réaliste. C'est vraiment un bon petit jus, quoi. Donc voilà pour la gamme Redneck. Donc vous le trouverez sur le site SVAP au prix de 19,90 € les 100 ml, les 50 ml, pardon, excusez-moi, les 50 ml. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez déjà pu le tester ou si vous le connaissez et que vous n'osez pas, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit positif comme négatif. Comme je dis, ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. C'est chacun sa vape, chacun selon ses goûts. Je vous mettrai également le lien de chez SVAP aussi dans les commentaires avec son descriptif écrit. En tout cas, pour ma part, ça reste une réussite. Maintenant, c'est à vous de me donner vos ressentis, ce que vous avez plus senti, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans ce e-liquide. Moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment senti un biscuit de l'ancien temps. Et j'espère à vous aussi qu'il vous plaise. Moi, pour ma part, il m'a conquis. Maintenant, c'est chacun sa vape. Donc voilà, j'espère que la revue vous aura plu. Donc j'espère vous retrouver sur Le Temps d'une Vape, le groupe Facebook, Insta, et que je vous mettrai aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt et une bonne vape!